Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, petit mix vidéo statut sur le format Monarque et un deck tech de Monarque. On va en parler, on va en profiter pour en parler. Jusqu'à maintenant, on a fait des tests à 1 contre 1, 3, 4 joueurs. C'est vraiment trippant. J'aime vraiment ça. Ça change tout le thinking en arrière, là, la dynamique, le jeu, les decks. Je trouve vraiment ça agréable. Petite mise en contexte, petite mise à jour peut-être. Un format Monarque, c'est pas mal comme Commander, mais à 60 cartes. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est qu'au lieu d'un Commander, nous, c'est un Planeswalker, qu'on appelle le Monarque. Donc, le deck est fait à partir d'un Planeswalker, doit respecter l'identité du Planeswalker, c'est-à-dire l'exemple qu'on va voir aujourd'hui, Tezzeret, donc c'est bleu et colorless. Donc, toutes les cartes doivent être soit bleues, soit colorless. Autre petite règle aussi, on ne peut que mettre que ce Planeswalker-là, donc que Tezzeret. Tu pourrais mettre n'importe quelle version de Tezzeret qui respecte les couleurs de celui que tu choisis comme monarque, mais tu ne pourrais pas mettre un Jace dans un deck de Tezzeret. L'identité, c'est vraiment le Planeswalker qui la donne au deck. C'est des matchs, pour l'instant, c'est 30 points de vie. Évidemment, celui qui verse le First Blood devient le monarque. Et après ça, la carte circule au fur et à mesure qu'il y a du combat damage. C'est les mêmes restrictions de cartes que Commander. On est parti avec ça. Les mêmes restrictions que les cartes bannies de la liste qui est bannie dans Commander. Puis les cartes qui affectent le Commander fonctionnent également pour le Monarque. C'est un petit peu la même version. Donc, les cartes comme la Command Tower, ben, c'est au lieu des couleurs de ton Commander, c'est les couleurs de ton Monarque. Une autre petite différence aussi, évidemment, il n'y a pas de Commander Damage parce que ton Planeswalker peut faire du dommage, mais pas du combat damage. Puis, lorsque ton Planeswalker meurt, il s'en va dans le graveyard. Tu peux le ramener avec toutes les cartes qui permettent de ramener, soit dans ta main, soit sur le battlefield, mais il ne peut pas retourner dans la command slash monarch zone, puis il n'y a pas de taxe non plus. Donc, on va regarder. Le petit deck tech qu'on vous fait, c'est le deck qui, dans toutes nos tests, a gagné le plus souvent. Je vous avais présenté une première version du Tezzeret, une version de base. Là, c'est une version qu'on a pimpé un peu. Lors des derniers tests, on avait un deck de Nicole Bolas, un deck de Vraska, un deck d'Elspeth, puis Tezzeret, Artifice Master, que vous allez voir à l'instant, puis Tezzeret a vraiment eu le dessus. Donc, on commence sans plus tarder avec le Monarque, Tezzeret, Artifice Master, 3 colorless plus 2 bleus, 5 de loyauté. Plus 1, tu crées un 1-1 Torteur Token avec Flying. 2, tu piges une carte. Si tu contrôles 3 ou plus artefacts, tu en piges 2. Puis, moins 9, tu as un emblème. Puis, au début de chaque fin de tour, tu peux aller chercher une permanente dans ta librairie et la mettre sur le Battlefield. Dans le match que vous avez vu à 3 joueurs, il a réussi à mettre l'emblème et ça fait mal. Donc le deck a une coupe de win condition qui peut setuper. Je vais en prendre juste une petite pile de cartes pour commencer. Une des premières win conditions, c'est avec Mechanized Production. Tu enchantes un artefact que tu contrôles. Ça coûte 2 bleus, 2 colorless. Au début de ton upkeep, tu crées un token qui est une copie de l'artefact enchanté. Évidemment, le but dans ce deck-là, c'est d'avoir 8 torteurs. Parce que si tu contrôles 8 ou plus artefacts qui ont le même nom, tu gagnes la partie. Donc, dès que tu as 8 torteurs, tu gagnes la partie. Avec Tezzeret, tu peux en faire. Avec lui, quand tu en enchantes un, tu en fais un. On continue avec Shaylee's Artistry. 4 colorless, 2 bleus, qui fait partie de la win condition des topteurs. Les topteurs, tu peux gagner par 8 ou tu peux gagner avec 1 million de topteurs. Vous allez voir tantôt l'autre façon de faire 1 million de topteurs, comme il s'est passé dans une autre partie. Donc, choisis un ou les deux. Tu crées un token qui est une copie d'un artefact ou tu crées
un token qui est une copie d'une créature, sauf qu'elle devient un artefact en plus. Donc, tu peux faire deux top terre ou deux autres, un ou deux autres artefacts à ton goût. Ensuite, on a un top terre spy network, deux colorless, deux bleus, c'est un enchantement. Au début de ton upkeep, si tu contrôles un artefact, tu mets un 1-1 top terre sur le battlefield. Quand un ou plus de tes artefacts fait du combat damage, tu piges une carte. Donc, évidemment, c'est une machine à top terre, il faut que tu te rendes vite rapidement. Efficient Construction, 3 colorless, 1 bleu, c'est un enchantement. Quand tu castes un artefact spell, tu crées un torteur. Donc, encore une autre façon d'atteindre son objectif. On y va ici avec un petit peu de tutor, et ça peut être une win condition, parce que la troisième habilité, c'est vraiment bon. 3 colorless, 1 bleu, The Antiquities War. Donc, premier tour, tu regardes les 5 premières cartes. Tu révèles un artefact, tu le mets dans ta main, tu mets le reste en dessous de ta librairie. Deuxième tour, c'est pareil. Au troisième tour, par contre, tous les artefacts que tu contrôles deviennent des artefacts créatures avec 5-5 sur des Power and Toughness. Donc, quand tous tes torteurs peuvent venir des 5-5 ou même tes lands d'artefacts ou tes autres artefacts. On continue avec un petit peu de tutor avec Fabriquer, deux colorless, un bleu. Tu cherches dans tes berries pour un artefact, tu le révèles et tu le mets dans tes mains. Après ça, tu rebrasses. Mystical Tutor, évidemment. Un bleu, tu cherches dans ta librairie pour un instant un interrupt, parce que ça existait dans ce temps-là. Une mana source aussi, ça existait dans ce temps-là. Ou une sorcerie, tu la révèles et tu révèles la carte puis tu la mets sur le dessus de ta librairie. Une des façons de gagner des tours, c'est avec Time Warp. 3 colorless, 2 bleus. Quand tu es à la fin, il te manque un ou deux torteurs. Ben, tu take un extra turn, tu régénères tes upkeeps de torteurs. Tu peux gagner avec tes 8. Ou comme il est déjà arrivé avec Nexus of Fate. 5 colorless, 2 bleus. Tu prends un tour, un extra turn après celui-là. Si Nexus of Fate est mis dans ton graveyard de n'importe où, donc après l'avoir joué, tu le mets dans ton graveyard, tu le rebrasses. Donc en fin de partie, comme il est arrivé déjà, il pige beaucoup de cartes, fait qu'il vient qu'il repige tout le temps Nexus of Fate, puis il joue indéfiniment. Parce qu'il pige 3-4 cartes par tour, ou à la fin, quand il reste 2-3 cartes, ben c'est Nexus of Fate, revient à chaque tour. Donc tu peux te bâtir une armée de top tier en jouant à chaque tour sans que les autres puissent rien faire. Ou, tu atteins ton 8 rapidement. Après ça, petite carte pour évidemment pouvoir être en mesure d'aller chercher le monarque rapidement. Donc, pour un colorless, un bleu, c'est une 1-1 infect. Donc, ça fait un poison counter, puis il est imbloquable. Donc, c'est un bon petit poker. Tu spreads un peu de poison counter. Ça, tu pourrais peut-être gagner par des poison counter, mais ça risque d'être long. C'est surtout pour l'habilité imbloquable, pour être capable d'aller chercher le monarque, d'aller soutirer le monarque au monarque. Un autre qui est dans ce sens-là, c'est un Edge Champion qui coûte 3, qui est 2-2, qui est Metalcraft. Donc, il y a protection contre toutes les couleurs. Si tu contrôles 3 artefacts ou plus, donc c'est une autre façon d'essayer d'être en mesure d'aller chercher à chaque tour, de faire des dommages au monarque pour devenir le monarque et piger une carte supplémentaire. Évidemment, on a un Torrential Gear Hulk. 4 colorless plus 2, c'est un 5-6 flash. Quand il arrive sur le jeu, tu peux caster un instant de ton graveyard sans payer le mana cost. Puis tu l'exiles, t'exiles l'instant à la fin du tour. Fait que c'est un extra counter, un extra quelque chose qui est dans ton graveyard que tu peux aller chercher en flash. Puis ça te fait un bon body pour bloquer. On va protéger nos artefacts avec Padim, Council of Innovation, 3 colorless, 1 bleu, c'est une 1-4. Les artefacts que tu contrôles ont Hexproof. Et au début de ton upkeep, si tu contrôles l'artefact qui a le plus haut mana cost converti, tu piges ou égal, tu piges une carte, donc c'est du card drop, puis tu protèges tes artefacts. Une façon de ne pas perdre, coûte 7, 4-4 flying, tu ne peux pas perdre la partie et les opponents ne peuvent pas gagner la partie avec un Platinum Angel. Ça, dans une des parties de test, il l'a copié 2 fois avec Shaylee. Ça peut être assez tannant d'avoir à se débarrasser de 3 fois ça pour être capable de faire quelque chose.
On a un Master Transmuteur. 3 colorless, un bleu, un 2. 1, tape, return un artefact que tu contrôles dans tes mains, puis tu mets un artefact de tes mains sur le jeu. Tu peux faire des swaps, tu ramènes ton Sol Ring, tu joues ton Platinum Angel. Ou tu veux sauver un Platinum Angel, fait que tu vas domper un Sol Ring à la place avec le Master Transmuteur. Il y a plusieurs combos à faire avec ça. Chief Engineer, un colorless, un bleu, un 3. Les artefacts que tu contrôles ont Convoke. Et, ouais. Les artefacts spells que tu castes ont Convoke, c'est-à-dire que tu peux utiliser tes tokens pour les caster. Tu peux utiliser tes créatures pour les caster. Broodstar, qui peut faire mal et rapidement. 8 colorless plus 2 bleus pour étoile étoile. Il y a Affinity for Artifact, donc il coûte 1 de moins pour chaque artefact que tu as en jeu. Il est flying. Puis son power and toughness est égal au nombre d'artefacts que tu contrôles. Donc, rapidement, ça peut devenir un gros, gros, gros volant tannant. Un classique ornithopter 0-02 flying. Donc, c'est un artefact gratuit que tu peux swapper facilement avec le transmuteur et le remettre en jeu. Topter assembly 6 colorless flying 5-5. Au début de ton upkeep, si tu contrôles pas de topter autre que le topter assembly, tu le ramènes dans tes mains, puis tu mets 5 tokens topter sur le jeu. Donc, tu es à 5. Mechanized production, il t'en reste quand même juste 3 à produire. Un avec tes erettes, puis une coupe d'autres, puis c'est terminé. Ensuite, on a Fonderie Inspector 3. Les artefacts spell coûtent 1 de moins. C'est un 3-2. Donc, ça peut réduire le coût de tous tes artefacts. Même chose pour l'Eternium Sculptor. Un colorless, un bleu. Les artefacts coûtent 1 de moins. C'est une 1-2. Avec le Master Transmuteur, ça peut te permettre de flipper une coupe d'affaires et de les remettre en jeu gratuitement. Master of Eternium, 2 colorless, un bleu. Tous tes autres artefacts gagnent +1/+1, mais lui, il a son Power et Toughness égal au nombre d'artefacts que tu contrôles. Donc, un petit peu comme le Broodstar. Moindrement que tu commences à avoir beaucoup de Topter Tokens, ça grossit assez vite. Et Chief of the Foundry, qui est notre dernier Lord. Tous les autres artefacts gagnent +1/+1. 3 colorless pour 1, 2, 3. Donc, on poursuit. On a Vedalken Archmage, 2 colorless, 2 bleus. C'est une 0-2. À chaque fois que tu joues un artefact spell, tu piges une carte. Donc, oui, le monarque te permet de piger, mais dans ce deck-là, le card draw est très, très important parce que tu vas aller chercher tes win conditions et tes pièces de combo le plus rapidement possible. Donc, on continue dans le card draw avec Ponder, évidemment. Tu regardes les 3 premières cartes de ta librairie, tu les mets dans l'ordre que tu veux. Tu peux rebrasser ta librairie et tu piges une carte. On a aussi un Preordain qui est un bleu, Scry 2, ensuite pige une carte. On a un Brainstorm qui est un bleu, pige 3 cartes et tu mets 2 cartes de ta main sur le dessus de ta librairie dans n'importe quel ordre. On a un Ancestral Vision qui est Suspend 4. Donc, tu l'exiles, tu payes un bleu, tu mets 4 compteurs dessus à chaque upkeep, tu enlèves un compteur et Target Player pige 3 cartes. Un petit moyen de défense, Cyclonic Rift. Tu returns les non-land permanents que tu ne contrôles pas dans les mains des joueurs. Ce qui est intéressant, c'est évidemment en overload pour 6 colorless et 1 bleu, tu retournes toutes les non-land permanents. Donc, si tu as amassé Antiquity Wars, tu es rendu au troisième step, tu as toutes des 5-5 sur le jeu, tu ramènes toutes dans les mains, le champ est ouvert pour attaquer. Isoconcepteur. Coûte 2 colorless. Imprint. Quand il arrive en jeu, tu peux enlever un instant card avec un mana converti de 2 ou moins de ta main from the game. Tu payes 2 plus tap. Tu peux copier l'instant sans payer son mana cost. Donc, tu attaches un spell. Un exemple, tu joues Isoconcepteur, tu remove un counterspell from the game, ben ça coûte 2. Ben, tu payes 2, plus tu tapes Isocon, puis si c'est un counterspell, tu l'as tout le temps. Évidemment, le combo principal, c'est avec Dramatic Reversal, qui coûte 1 colorless, 1 bleu, tu untap all non-land permanent.
Donc, les concepteurs. Fait qu'à chaque fois, tu payes 2, tu le donnes tap. Tu payes 2, tu le donnes tap. Tu payes 2, tu le donnes tap. Avec les mana stones qu'il y a dans le deck que vous allez voir tantôt, ça peut faire beaucoup de mana infini. Et également, bon, ça te permet de piger des cartes, de sortir des tapeurs, ça te permet de rencontrer tes win conditions. Memory Lapse, un colorless, un bleu. Counter target spell, puis le owner remet le spell sur le dessus de sa librairie. Fait que tu sais déjà ce qu'il va piger au prochain tour. On a un Mystic Confluence, 3 colorless, 2 bleus. Tu choisis 3. Tu peux choisir le même plus qu'une fois. Soit que tu counters le spell, sauf si le contrôleur paye 3 de plus. Si vraiment il y a beaucoup de mana, 1, 2, 3, ça fait 9. Tu retournes target créature dans la owner hand, ou tu piges une carte. Tu peux choisir les 3, 2 de 1, 1 de l'autre, ou 3 pareils. Counter spell. Classique, 2 bleus, counter target spell. Mana leak, un colorless, un bleu, counter target spell, sauf si son contrôleur paye 3. On a ensuite un remand, un colorless, un bleu, tu counter target spell, sauf que le spell retourne dans la main du joueur au lieu de dans le graveyard. Mais ça te fait piger une carte en plus. On a une Raito Lantern, coûte 2 colorless, un artefact. Paye 3, tu remets une carte de ton graveyard en dessous de ta librairie. Cette carte-là va être utile pour récupérer tes win conditions ou n'importe quelle carte que tu as jouée, que tu aimerais rejouer. Comme le deck, avec tout le drawing qu'il y a et le rebrassage qu'il y a, tes cartes, ils peuvent remonter rapidement. Ça s'est avéré très utile pour retourner chercher Mechanized Production, pour retourner chercher, même le Time Warp, pour pouvoir regagner des taux. Donc, une petite Raito Lantern. Edrin Archive, coûte 4, add 2 mana, tape 2, sacrifie, pige 2 cartes. Un Chrome Mox, qui est rongé un peu par la vie, mais bon. Code 0, imprint. Quand il arrive en jeu, tu enlèves une non-artefact, non-land card de ta main de la game. Puis tu adds un mana. Donc tu vas flusher une carte bleue, tu vas enlever une carte bleue de la game, sauf que c'est un artefact à 0. Sol Ring, 1 pour 2. Bon, c'est un classique. Dans les lands maintenant, Dark Death. Quand tu réussis à faire de la mana pratiquement infini ou avoir illimité de taux, ça peut devenir une win condition. Si tu l'as en partant, c'est un mana sinker si tu n'as rien à faire avec ta mana d'un fin de taux, tu n'as pas eu à agir. Legendary Snowland, il arrive avec 10 Ice Counter dessus. Tu payes 3, tu enlèves un Ice Counter de Dark Death. Quand Dark Death n'a plus de Ice Counter, tu le sacrifies. Si tu le fais, tu mets un Indestructible Legendary 20-20 Black Avatar Token avec Flying Name Meritlage into play. Fait qu'un 20-20 Indestructible Flying Black blablabla, blablabla, ça peut faire beaucoup de ravages. On continue avec un Buried Rune. Tape un mana. 2, sacrifie, tu ramènes un artefact du graveyard dans tes mains. Donc, c'est quelque chose qui est parti. Inventor's Fair, un Legendary Land. Au début de ton upkeep, si tu contrôles 3 artefacts ou plus, tu gagnes 1 point de vie. Tu le tapes pour un colorless. 4 plus tap plus les sacrifices, tu vas chercher un artefact card dans ta librairie. Tu le mets dans ta main. Tu peux juste activer ça si tu as 3 artefacts ou plus, mais d'habitude, c'est pas très long. Darksteel Citadel, indestructible, c'est un artefact land. Add un mana. Seat of the Synod, Artifact Land, add un bleu. Puis après ça, ce sont des îles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 îles. 14 fois des îles. Donc, pour l'instant, parmi les tests qu'on a faits, c'est vraiment le deck qui a gagné le plus souvent.
t'as l'impression qu'il se passe rien, t'as l'impression qu'il se passe rien. Puis tout d'un coup, ouf, 8 torteurs, ou il commence à jouer des tours infinis, fait qu'il se ramasse avec une armée de torteurs, ou il y a plusieurs façons de gagner. On va encore l'améliorer, on va encore le retravailler, parce que là, évidemment, bon, il a gagné ses derniers, il a gagné une majorité de matchs, fait que là, on travaille tout sur les autres decks, afin de les améliorer. Parce que le but, c'est d'essayer d'amener ça à un niveau qui est intéressant pour tout le monde, avec des decks interactifs et le fun à jouer. Mais, beaucoup de plaisir. Mon collègue qui le joue présentement a vraiment du fun à le jouer, puis à le tweaker. Donc, c'est sûr qu'on va refaire encore des decks tech sur le deck de Tézéret au fil du temps qu'il va évoluer. On va vous présenter aussi les autres decks de la façon qu'ils évoluent. Le prochain va probablement être le deck de Vraska, qui au début était un deck de Saproling, puis qui est en train de changer bout pour bout. Vous allez voir. Il y a eu une première vague de changement, mais je ne vous l'ai pas présenté. Je vais vous présenter l'autre phase d'après. Prochainement. Ça va probablement être le prochain deck tech que je vais vous montrer. Ça va être le Vraska sacrifie puis qui fait payer tout le monde. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez du format Monarque. Est-ce que vous jouez au format Monarque? Avez-vous trouvé des gens? Avez-vous fait des decks? Avez-vous des idées de decks? Est-ce qu'il y a un deck que vous aimeriez voir construit, qu'on pourrait peut-être construire puis jouer en match filmé? On a fait un premier match filmé. Faut qu'on s'habitue à jouer pour vous autres. Quand j'ai fait le montage, puis qu'on a discuté après, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il va falloir plus dire ce que font nos cartes, nos triggers, caler tout pour que vous puissiez suivre la partie plus facilement. On travaille là-dessus en faisant les playtests. C'est une raison pour aussi qu'on filme pas tous, qu'on filme pas tout. On se pratique à jouer pour la caméra, pour vous, les auditeurs. C'est un autre défi. Donc, laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos idées, ce que vous voulez voir. Un petit like, un petit share, ça aide à grossir la chaîne, ça aide à créer plus de contenu. Plus la chaîne grossit, plus on a des portes qui peuvent s'ouvrir à nous. Donc sur ce, pour ceux qui ont fait les 20 quelques minutes de vidéo, je vous souhaite une excellente journée. Les autres aussi, mais vous ne le savez juste pas, parce que vous avez arrêté avant. Hey! Bye bye, à la prochaine.